Hey, salut à tous, c'est Mike Funen, on se retrouve aujourd'hui pour ce probablement dernier épisode de Castle Crasher. L'histoire en tout cas, après on expliquera des choses plus tard. Toujours en compagnie de Tenglu, bah oui, on va pas faire le dernier épisode sans lui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, et voilà, et aujourd'hui on va battre le boss final du coup. T'es prêt, Tenglu? On est dans un endroit qui s'appelle la bataille finale. Et bah, on a fait le château du magicien. Et on veut le château. Voilà. Bon allez, commençons. Dans la bataille finale, marchons sur cette grosse pierre. Ah non, on peut retourner à la carte parce que je veux changer mon familier parce qu'il est nul. Voilà. J'accepte. Voilà. C'était la fausse joie de départ. D'accord, très bien. Moi, ouais. C'était la fausse joie de départ, du coup. Je vais là. Et je prends. Eh, viens comme symbole pour le dernier épisode. Je prends Rami. Ouais, non, Bémote, il est mieux. Mais Rami, j'aurais bien voulu te prendre pour la symbolique. Moi, j'aurais pris Bité. Est-ce que je prends Rami pour la symbolique? Regarde. Oui. Je prends Rami pour la symbolique. Allez. Ouais, voilà. Pour la symbolique, même s'il pourra peut-être pas beaucoup toucher le boss et que Bémote serait mieux, mais allez, je prends Rami. Allez, viens, la symbolique. Moi, je vais aussi prendre Rami. Mais non, tu peux aussi. Ouais, je pense. Je pense pas. Ah non, c'est triste. C'est triste. Faudrait refaire le niveau avec Rami, mes flemmes. Alors, je prends Bité. Ouais, la symbolique est présente. Il y a Bit et il y a Rami défonce les ennemis. On est content. Et Bit mord la tête des ennemis. C'est vrai que ma Bit, elle mord la tête des ennemis, hein. Ouais, elle est violente. Tu sais pas l'adresser. Oh, le dernier épisode commence avec des blagues de Bit. Veuillez nous excuser, il est tard. Il est actuellement 22h09. Bon, qu'il est pas tard, mais c'est déjà pas mal 22h09. Hein, voilà. À cause de toi, ça a mis du temps à démarrer. Ouais, c'est bon. Et on va commencer. Ah, il fait noir comme dans le dernier épisode. Oh non, il a la couronne du roi. Non, là-haut, il y a le Dark Lord. C'est le roi parce qu'il y a sa chaise là. Attends, je me mets en ne pas déranger. Tu devrais courir. Aïe. Voilà, enfin, je me suis mis en hors ligne en vrai. Oh lol, je suis pas mort. J'ai tout pris. Genre moi je me suis juste mis en hors ligne et puis je suis pas mort. Donc tant mieux. Tout va bien alors. Lol, get wrecked. Oh lol, j'ai monté de niveau. On en a eu un. Oui. Vas-y Rami, aide-moi à défoncer les cristaux. Il défonce les ennemis, mais est-ce que Rami défonce les cristaux? Je sais pas. Lol, get wrecked. Ah non, il nous reste deux. Je prends celui-là. Je prends lui. Ça servait à rien, j'ai donné un coup quoi. Lol, RT. Il m'a rect. Get rect. Ouais. Bref, c'est l'heure de la deuxième phase du boss. Bonsoir, boss. Ah oui, c'était quoi? Alors, déjà? C'est bleu distance. Oh, bleu distance, ouais, et rouge mêlée. Bah allez, tu penses à la violence. Ouais. Faut le prendre par derrière. J'aime prendre par derrière. Ah là, ouais, là c'est la mêlée, c'est la mêlée. Là on le défonce. La mêlée c'est le mieux, hein, ça c'est un des succès de Castle Crasher d'ailleurs. Allez, on va se le faire. Crève La bite. Dark Wizard. Bah non, pas bite, pas bite, bite, elle faut pas qu'elle meure. Ah. On le fait à distance. Je le défonce. Je vais par derrière parce que sinon je me fais niquer. Ouais, je le fais. Et utilise tes baleines, non? Ça a plus de dégâts. Oui, mais elles vont pas si loin. Ah, oui. Est-ce que je vais le faire avec une flèche? Mais depuis tout à l'heure, je vois mes flèches, ils crèvent pas. Il m'énerve, là. Il me vénère. Voilà, pas, je l'ai tué. Oh, là, il se gonfle. Ah oui, il y a cette phase-là. Ah, c'est badass. Oui. Il est en mode gros canard. Là, c'est la troisième phase du boss. Il est en mode double. Et bon, voilà. De toute façon, vous connaissez la dernière phase. Hein, on l'a déjà vu dans le dernier épisode. On est mort à ce moment-là. Donc faites pas vos surprises quand vous verrez la dernière phase. Nous on va faire une surprise parce qu'on est des gros gamins, du coup on va quand même faire comme si on savait pas, mais ouais, ce que j'allais faire, bah oui. Bah oui, j'allais faire, ouah, un coffre. Qu'est-ce que c'est que ce truc, comme disait un ami à moi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah. Oh, regarde, il est badass quand il meurt. Oh oui, on l'a battu. Un coffre, ouais, oui, trop bien. On a pas fini le jeu en fait. Ah mince. Ah. Aïe, putain, il fait trop mal. Ouais. Mais on fait comment déjà en fait? J'ai oublié. On saute. Attends.
Tu croyais que je n'avais pas prévu, mais non, j'ai pris mon arme secrète aujourd'hui. Boss final, regarde ça. Oh, voilà Bigatti. Eh oui. Bon, je servis à rien. Mais oui, je suis là, oui. Ah bon, je sers à rien, mais oui, je lui fais des dégâts quand même. Non, oh, ça fait rien. Si, je lui ai fait des dégâts. Je m'en fous, je lui ai fait des dégâts. C'était mon arme secrète et puis elle a marché. Bon, allez. Au pire, je me dis que c'est la fin. Et j'utilise tout aujourd'hui parce que c'est la fin. Allez. Bon, bah, good luck, hein. Quoi, moi, t'es mort? Ah non, c'est vas-y. Bon. Vas-y, mais non, mais moi, il veut pas sauter et l'attaquer en fait. Il est trop nul, mon perso. Bon, ok, il a servi à rien, mon sandwich. Ah, si, il l'aura touché une fois. C'est trop dur. Ah. Attends, j'essaye un truc. On n'a pas la vraie technique, tu vois. Bon, il nous défonce quand même à chaque fois. Allez, on va utiliser tous nos objets aujourd'hui. Ça l'a pas touché la bombe. Si, ça l'a touché. Ah bon? Ouais. Bon, alors là, hop. Allez. Poupou. Allez. Allez, on peut le faire. Je sais ce que tu utilises ces pattes là. Ouais. En plus, c'est un gros truc dégueulasse. Oh, j'ai réussi à le défoncer un peu, ouais. C'est ceux qui aiment pas les araignées. Hein. Oh oui, j'arrive à le défoncer. Oui, oh, j'ai... on l'a défoncé. Je l'ai défoncé. A plus, seigneur. Boss. Guan, c'est même pas la fin. C'est toujours pas la fin. Non. Oh, le château il tombe. Oui. C'est important. C'est bien, bientôt la fin. C'est une fois qu'on l'a c'est battu. La fin, Bouboule. Ah oui, quand il s'est transformé, t'as vu le truc qui s'est brisé. Il y a des trucs de lumière. Bah, c'est parce qu'il s'est pété le château. Ouais, c'est ça. Et le regarde, le diamant il devient rose. Ouais, rose. Et le cadavre. Rose. Regarde le cadavre du roi, il est sous une pierre. Ouais, RT. RT si t'es le roi. RT si t'es le roi. Là, j'ai l'impression qu'il est plus haut que quand on l'a affronté la dernière fois en boule. Très bien, mais tu peux faire tes tories si tu veux, mais. Alors, ah, oh, il est de retour là, oh normal. Ah oh, non. Non. Oh. Oh, ça, son épée. Non. Oh. Ah, moi je suis derrière, on me voit plus. Non, je suis là. Ah ouais, là c'est le combat final je pense. Et c'est cette épée là qu'on aura à la fin je pense. Waouh. Ça c'est le combat final. Ah mais... tu peux pas me brûler quand je suis le feu. Il gère. Les gars quand je brûle. Lol. C'est quoi ce boss final? Bah non mais du coup j'ai utilisé mon. Je mon sais. Sandwich. Ce qu'il faut utiliser. En fait. Moi j'ai utilisé mon sandwich. On a pensé que ça ne servait à rien mais si. Et si. Moi bon, voilà. Boum. Oh non moi je voulais lui envoyer ah, mon. Ah mais j'ai encore mon sandwich mon gars. On bat les couilles. Je vais le niquer. Là, tu lui as envoyé mon boomerang. Non, bah j'ai pas pu. Putain, mais viens de percuter. Vas-y, viens de battre là. Eh, hey, tapette. Viens de battre. T'es une tapette. Aïe. Oh là là. Je vais pas mourir maintenant, boss final. Dark Lord. Parce que j'ai pas utilisé. Dark Wizard. Ah, je le défonce en l'air, t'as vu? C'était beau ce que j'ai fait là. Mon gars, j'ai défoncé un bon dixième de sa vie au moins là. Ouais, moi j'ai défoncé un bon centième de sa vie. De sa vie, hein, au moins. Au moins. Mec, il bouge trop quoi, c'est une tapette ce mec. C'est surtout le boss final. Ah. Pourquoi je fais des accents bizarres, je sais pas. Ok. Putain. Moi je le touche toujours plus en l'air, ouais, t'as vu raison. T'as vu en l'air, je le défonce. Bah, bon. On l'air, ah, on faut bien viser hein, par contre. Ouais. Hop, j'ai eu un peu. Moi je l'ai eu aussi. Putain, on le défonce. Ah, je le défonce à chaque fois. GG. Ati Ati. Ouais, bah moi aussi. Mais... Ati Ati Tonger. Ah putain. C'est maintenant que tout se termine, Dark Wizard. Oh, je l'ai eu. La chose fois. Wow. Et j'ai un succès. On a fini le jeu, Tenglu. On a fini son le jeu arme. Mais moi je l'ai pas. Crève. Mon arme qui restait en bas. Oh regarde comment. Oh il faut LOL avoir... LOL oh, LOL non. Ah non t'es venu mince. Toi t'es la princesse. Oui j'ai la princesse. Et toi t'as l'arme. Oh, on est tous les deux badass. On a chacun son truc. Wow. De musique ouais. La fin de Castle Crasher les gens. Ouais, c'est le générique c'est de fin. Programmation et conception du jeu par Tom Fulp. Ouais c'est quelqu'un que je connais LOL. Oui. Avec un cirque et animation Dan Paladin. Bonjour. Ah, je connais aussi un Dan. Non, je connais. Oh, les petits forestiers de glace, ils sont morts, c'est beau.
C'est Breu. John, c'est Breu, on connaît cet endroit, c'est Breu. John, il y a la neige, John Snow, non. TG. Ah, les petits forestiers de Breu se souviennent de tout ça. Regarde, nous, on se balade avec notre gentil truc et la princesse, mais la princesse, on s'en fout d'elle. Ouais. Et on voit toujours pas son visage. Ouais. Ah, regarde. Ah, est-ce qu'on va voir le Bambi qui va chier? Non. Emile Ayoub Khan. Ah, c'est pas français comme nom. Lol. Ah, et là, il y a les scorpions. Ils sont tous morts. En fait, après nous, c'est l'apocalypse. En fait, ce qu'on va passer, c'est que tout le monde est mort, sauf nous, dans le monde. Oui, alors. La princesse, elle est morte, là. Bah, nous, on a buté tout le monde, c'est à cause de tout le monde entier, sauf nous, en fait. Il y a que la princesse. Et même regarde, ce mec est toujours mort depuis que. Ouais. Sur le visage, je vais. Ah, il est mort, et puis là, il est toujours mort. Ouais. Ouais, on va tout faire comme ça, là. Bah, c'est bien. C'est cool. Ouais. Ninja. Ah non, lui, il y en a un qui est pas mort. Ils sont pas morts là-haut là. Ils sont tristes. Ils meurent pas, mais. Coucou. Jeff Bandolin. Ah. Après Dan Paladin, Jeff Bandolin. Ah, les ours. Les ours. Et là-bas, le mariage, les canons et tout. Ah oui. Ah oui. Alors pourquoi on passe l'heure? Ça a été plus rapide de passer par. Oh, il pleure de la tombe du poisson chat. Il est mort, il y a une pelote de laine comme dans un Battle Block. Il y a le mec qui était mort qui se retourne comme dans. Il est remort devant. Si vous voyez bien de quoi on parle, voilà. Oh, il y a regarde, notre il est mort. C'est à cause de nous, ça c'est nos flèches. Oui, c'est encore à cause de nous. Ouais. Moi je l'ai tué avec mes flèches et mes larmes. Elle est vraiment très grande en pêche. Hein. Ouais. Bah oui, t'as vu comment. Bah oui, c'est une blague parce que t'as vu comment il était long quand il nous poursuivait sur le truc là. Oui. Voilà, quand il nous poursuivait à quatre pattes. Ah, c'est beau. Ah, le bas, chez le barbare. Ah, le début, le chef barbare et tout ça. Ah, c'est tellement les ancien. Les membres découpés. Ah là, les bons souvenirs. Ah oui, bah oui, le bélier, oui, on s'en souvient, tant de bons souvenirs dans ce let's play. Toi, t'as ton arme stylée, là. Oui, et toi, t'as la princesse stylée. Non, ouais. Pas stylée. Non. Non. Allez, je peux violer. On ira dans un truc, et genre, on déterrera une arme, et tu me donneras celle-là, quand même. Comme ça, je l'aurai. D'accord. Parce que j'aurais envie de l'avoir. Elle est badass, t'as vu, il y a un loup et tout. Ouais. Ah là là. Et heureusement que j'étais là pour la récupérer, hein. Ah, moi, j'ai heureusement que j'étais là pour récupérer la princesse et pour récupérer le diamant en premier. Non. Si. T'as vu, il est blanc. Oui. Maintenant, il est gentil. Oui. Ça, c'est bien un diamant gentil. Puis il nous ramène chez nous, parce qu'il est gentil. Voilà. Et remerciements spéciaux à des gens. Oui, bah à nous, parce qu'on a fait le let's play. Remerciements spéciaux à vous qui avez suivi ce let's play pendant ces 10 mois au moins. Et enfin, merci à toute la communauté Newground et à tous les gens qui se sont amusés avec nos jeux ou qui ont effectué des achats sur notre boutique en ligne. Votre soutien direct nous permet de continuer à réaliser nos rêves. Eh oui, eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce let's play et merci à nous d'avoir fait ce let's play comme ils disent. Ouais. Ah, c'est la fin! Il y a toutes les princesses! Oui, il y a même un. Nous, on danse et puis il y avait un squelette. Oh, il y a le roi, il est pas mort! Regarde, c'est barré. Oui, oh, il y a le machin de sable. Il y a la princesse. Il y a le fantôme. Il y a la grenouille. Il y a la grenouille. C'est trop bien. Oh, la princesse. On va devoir se battre. Non. Non. J'ai masqué mon arme. Vas-y, tue-moi. Je pose la manette. Je te laisse me tuer. Te laisse me tuer. Vas-y, Tengu. C'est tellement généreux de ta part. Oui, vas-y. Il y a les petits chats qui volent en haut. Là, il y a un chat qui poursuit un chien. Non, un chien qui poursuit un chat. Allez, tue-moi. Tue-moi. Je me laisse faire pour cette fin. Que je suis poli. J'ai une générosité en toi, Maniaco. Ah, t'as vu, il y a un petit forestier qui. Ah, lol, il te tire dessus. Il y a un petit forestier qui s'entraîne au tir sur. Non, attends, je me balade. Les portraits du bonhomme. Oui, on se balade. Il y a lui, regarde. Oh là, regarde là-haut, il y a le bonhomme. Il y a un bonhomme de feu. Bah, de feu, de noir là. Il y a un squelette. Oui, c'est ce que je dis, il y a un squelette badass. Il y a elle, on va se battre. Bah, allez, je te laisse. Il y a le frère de Dark Kevin. Oui, il y a le frère de Dark Kevin. Il y a quoi d'autre? Il y a ma promise. Ah, il y a la grenouille, elle me regarde. En mode, je te juge. Regarde. La grenouille, elle me juge. Oui, elle te juge, la grenouille. Tu vois, il y a les animaux qui volent. Oui. Non, mais il y a le chien qui poursuit le chat. Allez, tue-moi qu'on en finisse. Dépêche-toi. Ah, viens te mettre au centre. Attends, non, je voulais juste regarder. Il y avait pas une. Ouais, non, vas-y. Il est temps pour toi de mourir. Allez. Mais merci de ma. Putain, Rami. C'est Rami qui va te tuer. Bon, bah, merci de me. Merci de me laisser te tuer, hein. De rien. Lol. Attends, je sais. Moi, je m'amuse avec. Ah oui. Lol. Non, attends, laisse-moi utiliser un dernier. Non, dernière jamais. Fois. Non, je vais utiliser mon corps. Non, mais je suis mort. T'as pas compris que je suis mort? Si. J'ai même pas pu utiliser mon corps à part une fois. Ah, je pleure. Allez, va te faire ta promise.
qui est sûrement super belle, on s'en doute, allez vas-y. Mais je sais. Allons-y. Il est temps. Il est temps de terminer ce let's play en beauté. Spoiler. Wow, ah non. C'était trop bien. Wow. Wow. C'est psychédélique. C'est beau, t'as vu ta femme? Il y a des pingouins. Il y a une meuf qui danse, bizarre. Et il y a des pingouins, mais c'est trop bien ce jeu. J'adore ce jeu. Oh, il y a un truc rose. Ah, mais c'est les mecs dans Battle Block quand il y a un level secret. Ah ouais, oui, peut-être. Ça, c'est le bordel. Il y a des chats. C'est le bordel. Il y a des petits chats. Oh, il y a la princesse. Il y a la grenouille derrière qui regarde en mode jeu. Il y a la jeu. Princesse clown qui danse, et puis il y a des cœurs, et puis il y a merde. Des pingouins. Merci à toute l'équipe de Behemoth d'avoir fait ce jeu magnifique. Ouais, franchement, merci. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on a 2-3 annonces à faire. Hein. Enfin, je sais pas si t'es c'est ce que je veux dire, mais moi j'en ai 2-3. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. The end. C'est beau. J'applaudis. Ouais, merci c'est pour ce. C'est beau. Ah, je. Merci pour ce let's play formidable. Et on a déverrouillé de nouveaux personnages. Ah non, c'était Nglu. Pas moi. C'est moi. Ah oui, bah oui, c'est que toi. Putain, je pleure. Moi, non, j'ai rien. Et pour cela, je vais mettre un point symbolique. En agilité. En agilité. Parce que personne. Parce que j'aime pas l'agilité. Pendant tout ce let's play, je ne l'aimais pas. Mais on va mettre ce point symbolique en agilité. Eh oui. C'est voilà. Beau. C'est ainsi que se termine ce gameplay. Quoi ? LOL, mode démence. Mode démence. Oh, ah oui, donc ça c'est déjà un des trucs que j'allais annoncer en fin de vidéo. Hein, voilà, le mode démence. L'annoncer. Alors, les gens, il se trouve qu'à la fin. Viens, on descend, on va genre. On fait genre un truc. Commence un truc de sable et essaye de déterrer une arme, comme ça je pourrais avoir le sable. Pendant que j'explique le truc. Alors, en gros, quand on finit le mode. Il n'y a pas d'arme ici, il n'y a pas d'arme. Mais si, il y a bien une arme à un endroit. Non. Non, je sais où il y a une arme, où je suis sûr. En tout cas, tiens, le truc. Oui, au tout début, il y a une arme. Non, il y a pas d'arme. Non, mais je sais. Laisse-moi faire. Ouais, donc là, déjà, je peux même pas expliquer, mais c'est pas grave. Attends, oui. Je vais faire ça. Ici, je sais qu'il y a une arme, et même que si ça se trouve, tu l'as pas encore eu, donc tu pourras la débloquer. C'est le homard. Ouais, peut-être, je sais pas. Vas-y, prends-la. Moi, du coup, voilà. Je prends ça. Est-ce que j'ai l'arme finale enfin? Mais il veut pas me le dire. Vas-y, regarde. Mais si tu l'as eu. Mais elle fait combien? Et elle fait plus 2, pouvoir de feu, machin. Laisse-moi ça maintenant. Voilà, donc ce que j'essayais d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un mode démence quand on a fini le jeu en normal. Voilà. Il y a un mode démence. Ce mode démence explique un peu le mode démence. Qu'est-ce que c'est le mode démence? En fait, regarde le mode armes, démence, d'après ce que j'ai pu lire, c'est une fois qu'on a terminé le jeu, on le débloque avec les personnages qui ont fini le jeu, donc pas tous les personnages. Et en fait, le mode démence, ça rajoute de la vie aux ennemis. Donc en soi, ça fait x10 à tous les ennemis en vie. Et la force est multipliée par 5 ou 6. Voilà. Voilà. En gros, ça, donc c'est le mode bien hardcore de. Oui, j'ai débloqué quelques-uns. C'est la version bien hardcore du jeu. Et en gros, voilà. Tu vois, il a même une petite tunique, l'arme là. Alors, avec Maniaco, nous avons réfléchi pour savoir si on allait faire le mode démence en continuant le let's play, ou alors si on allait le faire pendant un live, voilà. Soit peut-être un live normal ou celui des 300 abonnés. C'est pour ça qu'il y aura... Non mais attends, arrête d'avancer comme ça, moi je prends tous les animaux, je dis bonjour. Donc, il y aura un stropole... Ah lui, je l'ai pas, lol. Ah non, non. Non, tu l'avais pas eu parce que ça avait les crashés. Ah ok, peut-être. Le seul crasher. Lol. Donc il y avait, voilà. Donc il y a, je mets dans la description et peut-être en commentaire si j'y pense, un stropole, donc un sondage pour en let's play ou en live. Du coup voilà, premier truc. Deuxième truc, dans tous les cas, bah il y aura un deuxième let's play avec Tenglu. Hein, Tenglu. Bonsoir, Tenglu, c'est toi? Bonsoir, oui, c'est bonsoir. Moi. Du coup, c'est-à-dire... Bon, je retourne parce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'il y aura encore... Enfin, non, il y aura une vidéo... Elle est bonne. De qui? Elle. Ah oui, bah oui, je me dis aussi. Donc, une vidéo spéciale pour un sondage qui sortira... Elle est bonne. Elle aussi? Ah oui, bah, ça fait beaucoup. Je pensais que tu parlais de mon ours, là. Elle est bonne, elle aussi. Ah oui, bah oui. Donc, ouais. Ah, mais attends, mais ça devient le bordel. Elle est bonne, la glante. Ouais, explique. Explique alors si tu fais ton malin, explique.
Expliquer quoi? Bah, qu'il y aura une vidéo spéciale dans quelques semaines qui sortira pour le prochain Astropole de toi et moi. Okay. Alors, le prochain Astropole qui arrivera dans quelques semaines sera donc pour décider. Le prochain Let's Play Coop avec Tenglu. Voilà. Voilà. C'est bon? C'est pour ça. Le prochain Let's Play Coop. Viens, j'ai réfléchi à trois jeux déjà qu'on pourrait mettre dessus. C'est, comme y a par exemple. Un Broforce, deux ouais. Castle Crasher, et trois, je te l'ai pas dit, mais on pourra peut-être tester du Portal. Ah ouais. En coop, ce serait marrant. Pas mal. Donc ça sortira dans les semaines. Alors, t'as du Shower with Your Dad Simulator en coop. Ah oui, c'est ça. Du Plague Inc. en coop. Ah, ça serait pas mal aussi. Ce serait les lundis coop, tu vois. Non, les mardis du coup. Mais voilà, ouais. Du coup. Donc, d'abord, Mode Insane. Wow. Ensuite. Le Astropole et aussi parle de Pit People un peu. C'est le magasin des Oui, c'est le magasin Insane. Ça coûte super cher. Une tronçonneuse. Moi je veux cette arme. Moi je veux lui. 1100. Allez. Tu peux l'avoir. J'ai lui. Lui, donne-le-moi. Ah non, j'ai pas assez pour lui. Va voir gros ours. Oui, mais alors t'as. Bah non, tu peux pas acheter le petit. Ah, je te l'achèterai. Ouais. Ouais, t'as lui. Ah, ça on peut pas les péter ça, non? Ah, c'est le Store Insane. Chose... Vous avez l'air honnête. Merci, oui, je Grand Totem. J'aimerais pouvoir bouger. Ah, c'est vrai. Toi, ton truc, il descend toujours. Depuis tout à l'heure, il descend. Mon quoi? Ton argent. Oui, depuis tout à l'heure, mon argent, il est toujours en train de descendre, donc faudrait que j'achète lui. Et ça, c'est un mob de Castle Crasher aussi. Non, de Battle Block, lui. Ah oui. Voilà. Parle de Pit People un peu, Tenglu. Alors, oui, on avait... Oh, celle-là, elle est sympa. Bon, je crois que la mienne, mais... Ah oui, c'est vrai. Bah, la mienne, elle est mieux, en fait. Oui, le prochain jeu de The Behemoth... Les créateurs de Castle Crasher et de Battle Block, ces créateurs-là travaillent en ce moment même sur un nouveau jeu qui est bientôt terminé, qui s'appelle Pit People, qui est la suite de Battle Block et de Castle Crasher. Voilà. Et qui est un nouveau jeu... qui devrait sortir. Mon amour réel, je ne le suis pas. Waouh. Waouh. C'est beau. Oui, et donc, en fait, ce mode. Enfin, ce je nouveau jeu qui va sortir. Pardon. C'était dégueu. Et donc, ce nouveau jeu qui va bientôt sortir. Le prochain jeu des créateurs de Castle Crasher. La date, parce que sur Steam, c'est marqué date de sortie avant l'apocalypse. Voilà, donc on sait que ça sortira avant l'apocalypse, ça on en est sûr. Ça sortira un jour, mais on sait pas quand. Et voilà, et du coup, ça, évidemment, on le fera aussi en let's play. Tu peux acheter l'Otari, ce serait pas mal. Ouais. Oui, mais ouais, c'est ça, il me reste 44 pièces, je peux acheter l'Otari. Mais ouais, du coup, il reste. Je vois, ça fait lance des trucs de temps en temps. Non, c'est pas tout le temps. Ah, ça c'est. Lance de la glace de temps en temps, là il lance du feu de temps en temps. Là j'ai les deux, t'as vu. C'est vraiment les badass. Ouais. Et du coup, voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y aura avec Pit People sur la chaîne en gros? En gros, Pit People, ce sera peut-être en coop avec moi et Maniaco. Eh oui. Donc la suite. Pas la suite directe, mais quand même un peu la suite de Castle Crasher. Parce qu'en fait, dans l'ordre, ça fait Castle Crasher, Battle Block et enfin, en dernier, Pit People qui devrait sortir. Voilà, et peut-être que Pit People, il y aura un let's play avec Tenglu à sa sortie. On sait pas, on verra. Quand il sortira. Voilà. Donc, dans longtemps. Faut retenir sondage. Bienvenue, voyageur, bienvenue. Sondage dans la description et dans les commentaires, sûrement sur le mode. Oh, il fait des trucs bizarres, regarde. Il se demise. Bon, tu vas te calmer là. Et donc là, il y a mode dément. Oui, donc potentiel. Donc, sondage mode dément dans la description, voter. Ensuite, le prochain jeu. Voilà. Mais ça arrivera dans quelques semaines. Alors, en fait, on va faire dans l'ordre. C'est d'abord, il y aura un sondage pour savoir si on le fait en live ou en vidéo. C'est, par contre, si vous votez en live, on fera pas de vidéo et donc il serait peut-être. Pas dans le Astropole qui sortira après, mais si vous votez par exemple pour en vidéo, déjà ça sera peut-être sûr qu'un jour on le fera. Ce sera peut-être pas le prochain, mais un jour peut-être qu'on le fera. Ah, si c'est en vidéo, si le vote du mode insane, le mode dément là c'est en vidéo, c'est possible que c'est possible que ça sorte de temps en temps, tu vois. Pas régulièrement, mais genre un dimanche comme ça. Ah, c'est possible. Genre là, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais genre là, je sais qu'il y aura normalement eu un épisode de FNAF World
un dimanche. Je sais pas si c'est le dimanche de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Encore selon quand vous verrez des vidéos, parce que. Oui. C'est. Ça rend bien. L'avance, voilà. Mais voilà. Donc ça peut être un jour comme ça. Donc c'est ainsi que se termine l'histoire de Castle Crasher. Et voilà. Et encore une. Et Pete People, mais ça on en reparlera une autre fois. Et là il y a un bonhomme à gauche là qui dit Hellos. Oui. Ça veut dire. Se dire bonjour, en gros. Et voilà. Bonjour. Mot de la fin, Tenglu. Mot de la. Vrai mot de la fin. RT. T'as... Non mais je sais que t'as jamais été fort pour les intros pour tout ça, mais t'as pas un mot de la fin quand même. Bah si, RT, c'est quoi pour... que RT d'avoir c'est... fini. Oui mais je vais compris, mais c'est quoi pour toi Castle Crasher, tu vois, ça t'a apporté du fun. Merci Tenglu. C'est bon. Oui. Un applaudi. Et toi pour... et pour toi Magneko. Ah c'était du fun hein. Ah bah oui. Et oui. C'était très drôle quand même. C'était hein. C'était le mardi. Enfin non, pas les premiers épisodes qui étaient en mode... mode random, en mode tous les deux mois. Quoi. Mais ouais. Les fameux débuts de Castle Crash. Ouais, c'est ça. Mais non, mais surtout un jeu marrant. C'est pour ça que dans le sondage pour le prochain jeu, bah, sur tous les jeux, il y en a deux qui sont marrants quand même. Enfin, sur les trois jeux. Enfin, Portal, c'est quand même marrant déjà. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend du point de vue, voilà. Oui. Wow. Et sinon, il y a bah, Broforce, c'est drôle. Et BattleBlock, c'est les créateurs de Castle Crash. On mettra peut-être BattleBlock aussi dans les jeux. Oui. Greux. Allez, Irache. Bon, au revoir monsieur stage de 3ème, au revoir monsieur Lézard. Au revoir monsieur Laïs. Laïs. Au revoir tout le monde. Ouais. On fera peut-être une vidéo. On verra. Souvenir. Nostalgie. Voilà, alors, nostalgie avec une petite musique triste. Oui. Bon, bah voilà. Voilà. Bon. C'est beau. Ouais. Allez, on se barre. Alors, Tom, on a Tenglu, on a du mal à dire au revoir. Ah oui. Oui. Bon, alors, fais l'outro cette fois. Je te laisse faire. Ah, au revoir. C'est la vidéo la plus longue au monde. Ouais, c'est la fin la plus longue. Et moi, je dirais au revoir. Non. 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 Ah bah non. Voilà. Ouais. Ah, je te laisse la faire parce que je suis pas fort. Commentaire, like, abonne-toi. Et puis, like, c'est pouce bleu. Et puis voilà. Parce que ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Ah oui. Et encore une fois, bah merci. Ouais, je suis fatigué. C'est pour ça que je parle. Donc, ouais, je suis fatigué. Donc, merci. Très bientôt. Maniaque Shonen et Tenglu. Bye tout le monde. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir.